Bonjour à tous, voici votre horoscope mensuel pour ce mois d'octobre. C'est une nouvelle formule, il y a une vidéo pour chaque signe. N'oubliez pas, si vous voulez plus de détails sur votre thème, donc une consultation avec Zoé ou avec moi, bien, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche. Si vous voulez avoir des petites ristournes sur ces consultations, eh bien, vous appuyez sur le bouton « Rejoindre » et vous venez faire partie de notre communauté. Il y a d'autres avantages. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien, les lives, le mardi soir de 20h30 à 22h. En toute complicité, on fait vos thèmes, on parle d'astro. C'est un moment agréable, donc autour de l'astrologie avec Zoé et avec moi. Ensuite, vous avez notre site qui parle d'astrologie, c'est l'astro.com. Et puis les réseaux sociaux, où vous avez des petits posts, des shorts, tous les jours, des petites nouvelles du ciel. Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans l'horoscope de ce mois d'octobre, quelles sont vos forces? C'est un mois balance, le soleil est en balance, Mercure, votre maître, va être aussi en balance. Donc, ce sont les forces, vos forces vitales, les objectifs qui sont les vôtres seront des objectifs que vous pourrez atteindre parce que le soleil est en bon aspect. Vénus, il ne fait de dissonance qu'en fin de parcours. Donc, utilisez ces forces de l'amour, les forces de l'entente que vous arrivez toujours à avoir avec les autres parce que vous êtes un signe sympathique. En période balance, eh bien, cette sympathie, vous en dégagez davantage et vous attirez forcément, vous mettez facilement les autres dans votre poche. Donc, n'hésitez pas, c'est une force que de pouvoir être en phase comme ça avec autrui. Deuxième force, celle du mental, évidemment, avec Mercure, la planète qui représente ce mental, elle va être en balance aussi à partir du 10, donc vous allez pouvoir, la force de votre esprit va également être de votre côté, c'est-à-dire que vous allez être créatif. Voilà, vous allez trouver des bonnes idées, quand vous allez vous exprimer, vous vous exprimerez avec charme, avec douceur, avec l'esprit de conciliation. Vous ne chercherez pas la bagarre, sauf peut-être ceux qui ont Mars conjoint à leur soleil, on en parlera tout à l'heure. Mais bon, vous aurez l'esprit bien tourné, comme on dit, créatif, les idées seront bien acceptées par les autres et on vous fera forcément des compliments. Troisième force, la force de l'amour avec Vénus. Et Vénus va occuper la balance pratiquement tout le mois, conjointe au soleil. Donc, que demande le peuple Vous serez peut-être en amour avec quelqu'un. Il y a quelque chose, en tout cas, ou quelqu'un qui va énormément vous plaire et ça va vous donner, vraiment le sentiment d'exister pour quelqu'un d'autre. N'oubliez pas qu'on est en balance et que ce signe représente les autres. Donc, vous allez vous sentir aimer, apprécier, ou c'est vous qui allez aimer et apprécier quelqu'un. En tout cas, bon, si pour l'instant il n'y a personne qui est digne de vos sentiments, eh bien peut-être que vous allez croiser quelqu'un qui en sera digne. Je vous le souhaite en tout cas. Quatrième force, celle de Mars, c'est-à-dire celle de vos motivations. Quel est le moteur qui vous pousse en avant, eh bien, Mars est chez vous.
Donc, ce sont vos propres intérêts hein, qui sont au premier plan. Alors, souvent, on dit qu'avec Mars, on est un petit peu agressif. Mais bon, je dirais que vous allez être offensif. Et ça, c'est une force, parce que vous n'allez pas attendre qu'on vous donne ceci ou cela, la promotion dont vous avez envie, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Vous n'allez pas attendre qu'on vous donne, vous allez aller au-devant de ce que vous désirez, de ce que vous voulez. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait que vous fassiez hein, avec ce Mars. Alors bon, les résultats après dépendent des aspects de Mars dont on va parler. Mais bon, disons qu'il faut vous bouger. Hein. Il faut vraiment avec... alors peut-être que vous allez faire de la compétition, que vous allez faire du sport. Hein. Il faut vous y investir à fond. Hein, avec Mars, on s'investit à fond. Mon conseil. Alors, mon conseil, il est lié effectivement à Mars, à la présence de Mars dans votre signe, parce que, bon, elle fait des aspects, la planète, hein, et en particulier une dissonance avec Neptune, qui, ma foi, peut vous égarer un petit peu, vous donner le sentiment que ce que vous décidez hein, avec Mars, ce qui vous motive, ce que vous mettez en place, ce que vous pouvez démarrer ce mois-ci, ben, que vous n'irez pas au bout. Alors, vous ne vous faites pas confiance, vous avez des doutes sur ce que vous mettez en place, vous êtes envahi même par le doute. Ben, dans ce cas, hein, je pense que le mieux, c'est d'aller vers quelqu'un en qui vous avez confiance, hein, la confiance est importante dans cet aspect, et de lui demander son avis et de vous reposer sur cet avis, hein, de ne pas vous partir dans toutes les directions, vous disperser aux quatre vents. Non, demandez à une personne de confiance, hein, parce que qu'est-ce qu'il y a en face des Gémeaux où se trouve Mars, de votre signe hein? Il y a le Sagittaire, hein, qui est le symbole de la confiance. Donc, hein, quand on a Mars dans son signe, il faut aller vers le Sagittaire et donc trouver quelqu'un hein, qui va vous aider à mieux gérer ces énergies qui peuvent vous pousser sur la mauvaise route. Le 5, le 10, le 19 et le 24, hein, des bonnes journées, la Lune sera en harmonie avec vous, donc inscrivez-les hein, dans votre agenda, n'oubliez pas. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un like, vous vous abonnez et puis on se retrouve évidemment pour les hebdos, hein, vos horoscopes hebdomadaires. Nos partenaires RTL avec le 3210 et le Figaro TV Magazine. À très bientôt.